paz. On se débrouille avec ce qu'on a, hein. Maintenant. Pas mort. Loin. Ah ! Distance, quoi. Ça se passe bien, franchement. Oh, oh, oh. Ah oui, des corbeaux en haut. De descendre. J'avais eu beaucoup de mal à l'époque à apprécier Bloodborne en fait. Genre le gameplay et tout ça, j'étais pas du tout dedans, quoi. Mais après, à y jouer tout ça, j'ai commencé à bien aimer. Mais ça m'a pris du temps quand même. Ça m'a pris pas mal de temps. C'était une attaque sautée. C'est quoi son enchaînement? Je vais voir ça. 1, 2. Pourquoi il m'a fait une attaque sautée? C'était sûrement ça, mais j'ai cru que c'était une attaque sautée. Donc. Ce que je veux récupérer, c'est le canon, par contre. Je sais pas où on... Je me rappelle plus du canon. Là, ce qui se trouve. Oh la vache. Pire qu'un Resident Evil. Ah non. Non. Mon pire cauchemar. Le cochon. Je dois pas... parler à la fille avant de tuer le cochon. Parce que c'est elle, c'est lui qui me donne la boîte, non? Oh la vache! On va faire le con.
Yeah, non, yeah. Raccourci. C'est l'histoire que je trouve compliquée et beaucoup de subtilité. C'est très, ouais, c'est très Lovecraft en fait. Avec les monstres dieux invisibles qu'on peut voir seulement si on a de assez de vues et tout ça, c'est le bordel, c'est vrai que. J'avoue, c'est le bordel. Merde, merde, merde. Ah, vous faites chier là, pas à deux. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué qu'un Dark Souls au final. Yeah. Ça aussi. Pas de la région, je crois. Je suis Gilbert, un étranger, comme vous. Vous avez dû passer de bons moments. Yarnam a une façon particulière d'accueillir les visiteurs. Je crois pas être capable de le lever, même si je le voulais. Mais je veux agir, si on peut encore faire quelque chose. Cette ville est maudite, quelles que soient vos raisons. Vous devriez partir d'ici le plus vite possible. Quoi que vous cherchiez ici, vous sentirez plus de mal que de bien. On peut pas partir. Du palsan, vous dites? J'ai jamais entendu parler. Mais si c'est du sang que vous voulez, vous devriez aller à l'église du remède. L'église détient la clé de la thérapie du sang et des différentes sortes de sang. De l'autre côté de la vallée, à l'est de Hernan, se trouve la ville de l'église du remède, qu'on appelle le faubourg de la cathédrale. Et au cœur du faubourg de la cathédrale se trouve la grande cathédrale. C'est là-bas qu'on puise le sang particulier de l'église du remède, il paraît. Les Yarnamiens ne parlent pas beaucoup avec les étrangers. En temps normal, ils ne vous laisseraient pas approcher de l'église, mais... la chasse est ouverte cette nuit. C'est peut-être l'occasion, ou jamais. Je crois qu'il parle de l'église qui est juste après le clerc. Le monstre. Par contre, je voudrais bien savoir où est la fille, parce que je me rappelle plus. Ah, il y a là. Ici, ici, ici. Bonjour. Donne-moi tes balles. Je me rappelle d'avoir tué 3 milliards de fois pour farmer les balles, toi. Cible. Putain. Ciblage à la con. Le DLC, apparemment le DLC est vachement bien. Même toutes les armes, tout ce qui est armes et tout ça, elles sont super cool. Et l'environnement et tout est vachement bien. Enfin, j'ai entendu que du bon sur le DLC de Bloodborne. Ah non.
J'ai pas envie de les combattre, je vais en chier. Allons là-bas. Continuons notre petite visite. Bonjour. C'est plus vraiment où on est là. Ah, c'est pas là. Chasseur, pas vrai? Ah non, c'est peut-être pas là. Vous connaissez un endroit sûr? J'ai entendu dire qu'il y en avait. C'est pas toujours suffisant de s'enfermer. Si vous autres, vous bougiez un peu les fesses, on n'en serait pas là. Vous avez le devoir de m'aider, vous entendez? Alors, qu'est-ce que vous décidez? Vous allez me le dire, oui ou non? Et j'aurais dû m'en douter. Bon, alors. C'est plus de respect pour les aînés, vous autres, les étrangers. Vous en fichez pas une, avouez-le. Vous croyez qu'on est tous dingues, pas vrai? Allez au diable. Je connais vos attrape-nigauds. Qu'est-ce que c'est encore et bien mieux à faire, à moins que... Ouais, pour l'instant, on sait pas où. Bon, vous on la récupérera après. Là. Bien. Bien mon petit. Ah, il est pas là le canon. Il est pas au-dessus. Je me rappelle plus. Mais je me rappelle plus des endroits ici, c'est le bordel. C'est quand même super grand, je me perds tout le temps quoi. J'ai pas assez joué pour pas me perdre en fait. D'où tu me... Con...
Ah! Je l'avais pas vu. Je pensais qu'il était en dessous. Ok. Ah oui, la jarre d'huile, je m'en rappelle, il faut... Si on couvre une personne d'huile et qu'on lui met le feu, elle brûle plus. Fait plus de dégâts. Merde, ça changeait pas. Ah voilà, ok. Je crois qu'on va aller monter un peu de niveau. Ouais, on va continuer ici, tiens, aussi. Oh la vache! Fais attention à moi. Crâne de démon éclairé donne de la lucidité. Ça aussi, il y avait un truc avec la lucidité. Plus, je crois que c'était 40, le palier. Et quand on arrivait à la lucidité, on voyait des choses. Crâne d'un démon touché par la sagesse des grands. Utilisez-le pour obtenir de la lucidité. Entrer en contact avec la sagesse occulte est une bénédiction qui, certes, peut conduire à la folie, mais sert un but supérieur pour la prospérité. Postérité. C'est vrai que c'était pas mal quand ils avaient... Au début, quand le jeu est sorti, ça rendait les gens fous parce qu'on voyait pas les choses. Et après, à 40, on commençait à voir des choses. Des monstres. C'était intéressant. Le concept était vraiment pas mal. Ah non, j'ai rien dit.
Ah tiens, du coup, c'est pas là. Je crois que c'est le canon, ça, je suis pas sûr. Bon, il y a ça. Ah, elle! Yes! Oh, alors t'es un chasseur? Et un étranger? T'es dans un sacré bourbier. Il a fallu que ça tombe cette nuit. Tiens, en guise de bienvenue. Merci. Prépare-toi au pire. Il ne reste aucun humain. Ce sont des monstres avides de chair à présent. T'es toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Un chasseur qui aurait peur de quelques monstres, c'est rien. La peur, c'est ce qui nous différencie de ces monstres. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Arrête un peu de trembler dans tes bottes. Un chasseur doit chasser. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Donne-moi tes dagues. Un chasseur doit... On doit chasser. Par contre, les cadavres. Vous avez pas tous tué? Apparemment non. Ah, je suis de l'autre côté, ok. Ça marche. Par contre, faut que récupérer ça là-bas. Arrivé ici, je l'avais frappé en pensant que c'était un mob. Ouais, une fois qu'elle est ennemie, elle est vachement violente par contre. Je préfère quand même la lâche. Après, je sais qu'il y a un moyen de la tuer assez facilement, c'est en la faisant tomber ici, je crois. Comme ça, on récupère ses armes.
Bon, on va aller. On va aller voir la poupée, je pense. Je sais plus s'il faut au moins un de lucidité pour qu'elle s'active, la poupée. Je me rappelle plus de ça. Ah, ici raccourci aussi, ok, ça marche. Et ça où c'est... Ouais, c'est... On tombe là. Ok, ça marche. Là, il y a le... L'ascenseur. Je crois bien qu'il faut un de lucidité. Il est où le vieux? Pas quelque chose à me dire? Ah, il est dans le jardin, je crois. Attends, on s'en fout à la limite. Enfin, bref, pas grave. Après, il y a eux là-haut. Faire le boss. À faire le clerc. Le cléric. Cléric beast. Si je me rappelle. Je me rappelle de l'endroit. Faut prendre le l'ascenseur. Bobol. Non, c'est après ça, peut-être je me rappelle plus. Tu balances pas ta boule. Ah. Les objets. Radin, les gens. Mmh.
voilà. Ça mène où ici? Je m'en rappelle plus. Par là, c'est Gascoigne. Ah non! Ah, le cochon. Ah oui, c'est par là qu'on peut le backstab direct. Par contre, je voudrais bien savoir où elle est, la fille.